C'est parti. Bonjour les amis, allez-y, connectez-vous, installez-vous tranquillement, confortablement. Aurore, allez vous chercher un verre d'eau. Allez vous chercher une petite couverture s'il fait frais chez vous. Odile, Marie, Noël. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je vais comme d'habitude, je vais commencer à répondre aux questions qui sont reçues et je vais répondre de manière un petit peu globale pour les sujets qui... Tiens, Mr. Enoch et Fab, bonjour Enoch. J'ai bien reçu ta vidéo que je vais avoir. Je vais parler de toi ce soir, ça tombe bien. Alors donc, je réponds un petit peu aux questions qui ont été envoyées. Je ne réponds pas à tout parce qu'il y en a, beaucoup. Première question qui intéresse tout le monde, Mistek. Pourquoi perdre du poids est si difficile? Faut-il faire un travail chez un psychologue? La relation au poids, en effet, ça peut être compliqué tout simplement parce que notre relation au poids va être liée à la peur de la carence, à la peur de manquer. C'est vraiment relié à notre cerveau reptilien de la préhistoire pour qui l'idée de régime est une aberration absolue. Évidemment, vous doutez qu'à temps de la préhistoire, le concept de régime, il fallait déjà trouver à manger. Donc, ne pas manger pour votre cerveau reptilien, ça veut dire être en carence. Donc, c'est une des raisons. Ensuite, il y a une histoire de contrôle dans le corps, dans le régime, dans le poids, qui fait qu'on va stresser particulièrement. Il suffit de se dire, je vais faire un régime pour que le lendemain, on ait des fringales absolument pas possibles. Je pourrais vous en parler parce que moi, je suis passée par là. Donc, c'est la relation poids-régime, ça peut être un petit peu complexe, en effet. Alors, très bonne question aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux ont une influence sur nos corps ? Les photos sont souvent mensongères. Et oui! Alors moi, déjà, la première chose en ce qui concerne les réseaux sociaux, déjà, évidemment, ça influe notre relation au corps parce qu'il y a une histoire de perfection, d'idéal absolument inatteignable. Donc, le conseil, mais du fond du cœur, très sincèrement, quand vous êtes sur un réseau social et que vous en sortez en vous sentant culpabilisé, pas bien, infériorisé, mais sauvez-vous. C'est du pur bon sens. Instagram, c'est un des réseaux sociaux qui génère le plus de dépression nerveuse. Donc, allez sur Instagram, sur des comptes qui vous font du bien. On en discutait lors d'un podcast avec Anne Guéquer de Métamorphose en disant... C'est primordial pour vous d'aller sur un réseau social, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, peu importe lequel, qui vous tire vers le haut, qui vous donne des idées, qui vous donne des outils et pas quelque chose qui vous mette davantage en difficulté. Et ça, en effet, ça va perturber, ça va créer une distorsion sur la relation au corps. Je viens de regarder ça avec Julie, qui est là ce soir avec moi. Bonsoir à tous. Et on vient de regarder le réseau social, l'Instagram de Céleste Barber, B-A-R-B-E-R. Et vraiment, très sincèrement, je vous le recommande parce qu'elle elle prend des photos caricaturales sur l'esthétisme, sur la performance, et elle est refait avec son corps à elle, qui est loin d'être parfait. Elle a de la cellulite, elle a des rondeurs un peu partout. Donc, Céleste Barber. Passer du temps sur un réseau comme celui-là, ça va vous faire du bien, ça va vous faire rire, ça va vous amuser. Ce soir, Julie est là avec moi, elle va prendre vos questions comme d'habitude, ça me permet de rester en contact avec vous. Et puis, donc n'hésitez pas à poser des questions pendant le live, à part pendant la méditation, on est bien d'accord, vous restez sur votre méditation. Alors, dans les autres questions, super, sauf Afa. Le corps, êtes-vous d'accord avec cette phrase, le corps ne ment pas? Absolument, je vais vous en parler aujourd'hui, le corps ne ment jamais. Et dès que vous êtes d'ailleurs pas très bien tendu, vous allez avoir des réactions du corps, du ventre, etc. Donc ça, oui, le corps ne ment pas. Voilà, il y a d'autres questions qui relèvent vraiment de la relation au corps, de l'appréciation, du rejet. Voilà, donc ça c'est une question globalisée, je vous en parle pendant tout le live, d'accord? Alors avant de commencer, petit conseil, je vais vraiment vous amener à être en contact avec le corps aujourd'hui et je vais vous expliquer pourquoi c'est absolument vital,
Voilà, c'est juste, on ne peut pas passer à côté, tout simplement parce que vous ne pouvez pas, vous pouvez rien faire sans votre corps. Donc, plus vous allez être en accord avec votre corps, et mieux vous allez vous porter. Bonjour Sabrina, que je vois arriver. Marianne, hello. Voilà, donc petite recommandation, allez dans votre frigo. Nous, c'est des grenades d'ici, voilà, et c'est aussi des oranges. Allez chercher quelque chose qui soit bon, parce que vous allez goûter, manger quelque chose à la fin de votre méditation. Et quelque chose de sain, pas trafiqué, pas d'agroalimentaire, pas de gâteau avec... Oui, le replay est prévu. Pas de gâteau avec des conservateurs ou des ajouts de ceci et de cela dedans. Donc, prenez quelque chose qui soit sain, parce que une des parties, quelque chose qui est vraiment connecté avec le corps, c'est l'alimentation. Et on va en profiter de la méditation, de la reconnexion avec le corps pour manger quelque chose après. C'est quelque chose qu'on fait très, très souvent dans des stages de yoga. En Inde, moi, j'ai fait beaucoup ça. Et à la fin, quand on a médité pendant une après-midi ou une journée, aller manger un grain de raisin, c'est quelque chose qui est absolument exceptionnel. Et tout à coup, ça nous met en relation avec ce que c'est que de manger, ce qu'on a perdu. Parce que très souvent, on va manger devant la télé, en faisant autre chose, en étant sur son téléphone, enfin, etc. Donc là, on va en profiter pour reconnecter un petit peu l'alimentation. En ce qui concerne l'alimentation et le régime, je pourrais peut-être vous faire un autre live qui soit que là-dessus. Aujourd'hui, on va être sur le corps physique, mais lié santé, sommeil, poids, projet, enfin, etc. Donc, du coup, oui, les fruits, c'est les fruits d'ici. Du coup, ça va donner... on ne va pas être spécifiquement sur le corps et le régime, mais si ça vous intéresse, dites-moi si ça, si ça vous intéresse que je vous fasse un live spécial régime, même si c'est un terme que je n'aime pas, je préfère dire qu'on rééquilibre la relation à l'alimentation. C'est ce que j'ai fait moi. J'avais 10 kilos de trop et ça faisait des années que je voulais les perdre, que ça m'insupportait. Et je me refusais à faire des régimes, et surtout un régime drastique, parce que très souvent, on le sait, ces régimes-là amènent à prise de poids, frustration, tension, voire dépression nerveuse. Donc j'attendais de trouver l'équilibre psychologique et émotionnel, et ça je peux vraiment vous en parler, pour commencer un changement alimentaire qui m'a permis là déjà de perdre 8 kilos. Tout en continuant, j'ai mangé des frites hier et je les assimile parfaitement, et j'ai pas mangé deux assiettes de frites évidemment, mais je mange du chocolat, je mange des frites, je mange des choses qui sont agréables à manger, mais j'ai changé ma manière de m'alimenter. Voilà, donc ça, si ça vous intéresse, dites-le moi et je vous fais un live spécial alimentation, perte de poids et relation au corps vraiment dans le domaine de l'alimentation. Alors, quoi d'autre? Merci pour vos messages sur Amazon. Je ne peux donc pas y répondre hein, sur Amazon, mais c'est très, très gentil vos commentaires. J'en ai lu plusieurs. Et sur mon livre, hein, sur l'enfant de la source. Merci. C'est très sympathique. Je suis vraiment profondément heureuse que ça vous plaise. Merci vos messages privés aussi qu'il y a sur YouTube. Mais ça, je peux vous répondre. YouTube, Instagram, Facebook, c'est vraiment très, très, très agréable. Votre soutien, votre intérêt, ça me touche beaucoup. Voilà. Alors, donc, on commence. Pourquoi le corps? Comme je vous le disais en début de live, tout simplement parce que vous ne pouvez absolument rien faire sans votre corps. C'est un peu la base. Vous n'allez pas poser votre tête d'un côté et puis fonctionner que avec le corps. Le corps, ça va vous permettre d'être en bonne santé, version ne pas être malade. Voilà, ça va vous permettre d'être dans un point équilibré et agréable pour vous. Un sommeil aussi équilibré. Donc, quand vous êtes en bonne santé physiquement, vous allez pouvoir faire davantage de choses. Évidemment, c'est du bon sens. Tout le monde le sait. Mais en fin de compte, très peu de gens s'occupent réellement de ce que c'est que la relation au corps. Et moi, j'en fais partie. Ça fait plusieurs années que vraiment, j'ai tout reconstruit, autant l'alimentation, la relation à l'alimentation, ça s'est fait l'année dernière, il y a moins d'un an, en fin de compte, les 8 kilos, là, je les ai perdus sur plusieurs mois. Et je dis bien plusieurs mois. Surtout, épargnez-vous hein, les régimes ultra rapides qui vous amènent à être frustré, tendu, et voire en carence alimentaire.
Il y a plein de nutritionnistes qui s'opposent à ça, et ils ont complètement raison. Moi, comme je travaille avec des sportifs de haut niveau, je m'intéresse beaucoup à l'alimentation. C'est une évidence. Donc, on pourra s'en reparler. La relation au corps, tout simplement parce que... Moi, mon métier, c'est coach. Donc, c'est de vous aider à développer vos projets, à les réaliser. Et si vous n'êtes pas en connexion avec votre corps et que vous n'avez qu'une pensée intellectuelle de « je vais pouvoir réaliser ce projet et le corps va suivre derrière », vous compliquez la vie, vous allez aller beaucoup, beaucoup, beaucoup moins rapidement que si vous êtes un avec votre corps. Alors, on va commencer un petit peu vraiment par quelque chose d'assez intellectuel et d'aller comprendre la raison pour laquelle cette histoire de corps, c'est aussi compliqué dans le monde dans lequel on est. Tout simplement parce que pendant très, 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 très longtemps, et ça commence à Platon, pour Platon, quand il parle du corps, il en parle comme d'une prison, comme d'un tombeau. Et quand il propose de faire de l'exercice, c'est pour fortifier l'ardeur morale et pour se libérer du corps. Donc, ce n'est pas du tout pour être en union avec son corps. Et notre pensée, elle va découler hein, de Platon, de Descartes. Alors, Descartes, il y a deux aspects. Dans le dualisme cartésien, il différencie l'âme et le corps. Voilà, ils n'ont absolument rien à voir. Et par contre, dans les pensées, les méditations métaphysiques, il dit absolument le contraire. C'est-à-dire que le corps et l'âme sont en relation étroite. Mais de manière générale, dans la culture occidentale et particulièrement la culture française, il y a une prépondérance, il y a une supériorité de l'intellect sur le corps. Voilà. Donc le corps, c'est un espèce de truc qui nous amène d'un endroit à un autre, qui va promener votre intellect, en fin de compte. Et ça, on hérite de cette pensée-là. Donc la relation au corps est, en fin de compte, extrêmement complexe et complètement déconnectée. Voilà, on vient de là. Il a fallu attendre les années 50-60 avec le philosophe Merleau-Ponty qui, lui, vraiment parle du corps, véhicule de l'âme, qui nous amène à qui va être dans le corps qui est vécu de l'intérieur. Mais vous imaginez, 1950-60. Il est mort en 60, hein, Merleau-Ponty. Donc, du coup, il y a eu tout un parcours, il y a toute une influence culturelle qui fait que on n'a pas du tout envie d'être en relation avec le corps. Il faut que ça marche. Et moi qui ai des sportifs de haut niveau en session et aussi des danseurs, quand j'ai commencé à travailler naïvement, je pensais qu'ils avaient forcément une super relation au corps, ce qui n'est absolument pas vrai. Eux, ils sont dans le corps contrôle, dans le corps maîtrise. Il y a Enoch Effa qui est boxeur, triple champion du monde de boxe, qui est là ce soir, avec qui on pourra en parler. Alors, parlons d'Enoch justement. Je vais vous amener à travailler sur le corps avec des sportifs et des sportifs qui sont éveillés, pas des sportifs justement qui sont dans le contrôle, dans la maîtrise du corps, dans le formatage, dans le blindage du corps, de manière à ce que vous soyez en contact avec des personnes dont c'est le métier, qui ont vécu de leur pratique sportive et qui vont vous amener à avoir une relation au corps différente. Alors la première personne que j'ai invitée, c'est donc Enoch, qui est là ce soir avec nous, parce que Enoch, donc triple champion du monde de boxe, je vais vous faire un petit post, on est en live le 28 mars à 20h, heure de France, notez ça sur vos tablettes, ça va être passionnant, d'autant plus qu'Enoch, il m'a vraiment amené à changer les a priori, les préjugés que j'avais sur la boxe. Pour moi, la boxe, c'était un sport assez, assez brutal. Et en fin de compte, quand je l'ai vu travailler, puis je l'ai eu en session sur sa reconversion professionnelle, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment toute une philosophie. Et Enoch est coach aujourd'hui, chef d'entreprise. Et il fait un parallèle, chef d'entreprise, les challenges que les chefs d'entreprise ont à gérer au quotidien et comment on peut utiliser toute la philosophie de la boxe. Alors ça, c'est pas ça que je lui ai demandé de venir partager avec vous, même si on va certainement s'en parler, mais ce que Enoch représente pour moi et que je suis en demande et en recherche de ça, c'est qu'il a une puissance physique de par sa pratique, de par son physique. Hein, il est poids lourd, champion du monde, triple champion du monde de boxe, poids lourd. Donc, quand je l'ai vu arriver la première fois, j'ai dit « Ouh !» Je ne vais pas trop le pousser dans les coins où je vais me tenir à distance. Voilà. Et il a une puissance qui est incarnée, qui est posée, qui est sereine, qui est calme.
et qui apporte une grande, grande, grande stabilité. Donc, je vais lui demander, on a déjà échangé là-dessus, il va venir vous faire des exercices. On se parlera de ça, de ce que c'est que cette puissance-là, comment on peut y accéder. Ça se travaille, évidemment, et c'est aussi un état d'esprit. Et c'est avoir une puissance qui ne soit pas offensive, agressive. Donc, c'est en fin de compte être complètement intégré dans le corps. Et quand on est en face d'Enoch, on voit bien qu'il est, il est vraiment son corps. Il y a pas, il n'est pas dans son corps. Alors ça, je vais reprendre cette expression-là. Je vous ai parlé un petit peu philosophie et comment toute notre pensée est amenée à nous dissocier du corps. Mais même d'un point de vue spirituel, énergétique, quand on va dire ton corps est ton temple, ça amène encore une distanciation. C'est-à-dire que c'est comme si c'était quelque chose dans lequel il fallait rentrer. Et non, c'est pas votre corps, c'est pas un véhicule, c'est pas un temple. Votre corps, c'est vous. Et ça, je vais vous faire travailler là-dessus aujourd'hui, vraiment encore et encore et encore, pour que vous compreniez que votre corps, c'est vous. C'est pas un véhicule, c'est pas un temple, c'est absolument vous-même. Une des choses où là, ça va vous demander de faire travailler un petit peu les connaissances que vous avez intégrées dès l'enfance, c'est qu'en fin de compte, si on voulait être logique, on ne dirait pas « j'ai un corps », c'est-à-dire le verbe « avoir ». Un synonyme du verbe « avoir », c'est « posséder ». Donc, c'est comme si on disait « je possède un corps ». Et là encore, ça met une distance. Vous avez des amis, vous avez une maison, vous avez une voiture, vous avez, un ordinateur, mais vous êtes votre corps. Alors, je ne vais pas aller voir les immortels de l'Académie française pour leur dire « on va changer cette expression-là et on va arrêter de dire « j'ai un corps », mais « je suis un corps ». Et je ne suis pas la première à le dire, hein. Vraiment, ça a été, c'est déjà une idée qui a été énormément explorée. Mais rien que cette idée-là, si vous prenez une toute petite seconde là pour ressentir ce que ça veut dire « je suis un corps » ou « j'ai un corps », sentez toute la différence. « Je suis un corps », c'est moi. Moi, mon corps, mes émotions, mes sensations, mon énergie, c'est une globalité. Cette histoire de détachement entre le corps, l'esprit, les pensées, c'est quelque chose qui va vraiment, qui vous nuit. Et en fin de compte, je reprends l'histoire des sportifs de haut niveau. Un sportif vous dira systématiquement que les meilleures performances qu'il a faites ont été à un moment où il était un corps, émotion, sensation, direction. Et c'est dans ces moments-là que la performance a été la meilleure. Et d'ailleurs, quand j'ai des sportifs de haut niveau, c'est la première chose que je fais faire. Je réunis tout ça. Je leur fais prendre conscience de l'énergie qui est dans le corps. Et cette énergie, elle va beaucoup plus loin que juste du muscle et de la volonté. Voilà. Et quand on a compris ça, ça va énormément. On peut performer de manière sportive à un niveau extrêmement important. Alors, vous, tapez-moi un petit peu un petit message. La relation au corps, pour vous, c'est quoi? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est une bataille? Est-ce qu'il y a une forme d'harmonie? Ça se présente comment pour vous? Allez-y. Dissocier. Vous allez voir, c'est la grande majorité. Je vais même aller plus loin en ce qui concerne cette histoire d'apparence compliquée. Ouais. En ce qui concerne cette histoire d'apparence et de photos sur Internet, j'ai eu moi en session des mannequins de l'agence Elite. Donc, c'est le standard de la beauté occidentale dans ce qu'il y a de plus représentatif. Ce sont des femmes qui vont faire des pubs pour des très grandes marques de cosmétiques. Et du coup, bataille de tout instant, et oui. Et ces femmes-là ont une relation, c'est jamais assez bien. Il y a toujours un petit quelque chose, un petit défaut. J'ai aussi des sportifs de haut niveau qui sont magnifiques, et particulièrement des femmes qui ont un corps de rêve pour la plupart des gens. Et en fin de compte, vont être là à dire « oui, mais tu comprends, il y a ci, il y a ça ». Donc, ça vous donne l'étendue du problème, ça vous donne l'étendue de la contrainte et du jugement et du rejet qu'on peut avoir sur le corps. Voilà, compliqué avec les émotions. Voilà, vos messages, hein, c'est ça. Hein.
critique, tu es trop gros, c'est pas assez bien, tous les messages là qui défilent, c'est oui, la relation au corps, c'est quelque chose qui peut être extrêmement complexe. Et vraiment, ça demande de se mettre en chemin, parce que ça ne va pas se résoudre comme ça, ça va demander tranquillement d'apprivoiser ce que c'est que cette relation. Et dans celle-là, la méditation que je vais guider pour vous, vous allez déjà prendre conscience de comment ce corps, vous êtes dans la contrainte, dans le rejet, dans le jugement. Et là, j'ai plusieurs personnes à qui j'ai fait faire ces exercices-là et qui ont réalisé que c'était absolument impensable et inacceptable de se traiter comme ça. On ne traiterait personne de ça. On n'irait jamais juger le corps de quelqu'un d'autre de cette manière-là. Et pourtant, on le fait sur le nôtre. Donc vraiment, quand vous allez prendre conscience de ça, ça va être une période, un petit moment qui va être pas du tout sympathique et agréable. Comme toujours dans les méditations, je ne vous demande pas de plonger dedans. Hein. Vous prenez la juste distance, vous ne mettez pas en retrait non plus en se disant c'est un cauchemar, je ne veux absolument pas me traiter comme ça. Mais observez, prenez conscience, c'est la première étape pour faire avancer, évoluer. Et moi, je ne vous promets jamais des opérations de magie. Je ne vous dis jamais que d'un clic comme ça, tout va pouvoir changer. Des fois, ça arrive, mais ce n'est pas la majorité. Donc, ça demande un travail sur soi. Je vous le répète encore une fois, si vous voulez développer des projets, plus vous serez en santé, plus vous aurez une alimentation qui vous nourrit plutôt qu'une alimentation de compensation, plus vous pourrez développer des projets parce qu'il y a un impact réel entre ce que vous mangez et ce que vous pensez. Aujourd'hui, du temps de Platon et de Descartes, on ne le savait pas, mais aujourd'hui, on sait qu'on a des neurones, bon, dans le cerveau évidemment, on en a dans le ventre, on en a dans le cœur. On prend le temps un petit peu d'intégrer ça. Votre corps pense. Vous avez des neurones dans le ventre, vous avez des neurones dans le cœur. Et votre corps, il a sa propre logique, sa propre réflexion, ses propres programmes, ses propres automatismes. Et si vous voulez avancer sur vos projets, le but du jeu, c'est vraiment d'intégrer en profondeur toutes vos connaissances intellectuelles dans la mémoire et dans l'intelligence du corps. Et c'est quelque chose que je fais faire systématiquement en session. Et la preuve de la nécessité de cette approche-là, c'est que vous et moi, tout le monde, nous connaissons des personnes qui ont fait de la thérapie pour soigner des traumas, des difficultés, etc. et qui restent dans une connaissance intellectuelle de leurs problématiques, mais ils n'ont pas de changement dans la vie réelle. Tout simplement parce que c'est compris intellectuellement, on sait ce qui s'est passé, on sait ce qui se joue, on sait quelle est l'interaction, on sait la raison pour laquelle on est dans des situations difficiles ou compliquées. Mais en fin de compte, s'il n'y a pas de changement dans la vie réelle et concrète, ça veut dire que cette information-là, elle est restée d'un point de vue intellectuel, voire philosophique, c'est de la connaissance. Mais ce n'est pas quelque chose qui est intégré que vous pouvez utiliser. Donc à chaque fois que vous allez comprendre quelque chose, prenez le temps de méditer et de l'intégrer physiquement. Alors quand j'ai des psys en session, c'est vraiment ce qui m'arrive régulièrement, c'est vraiment quelque chose que je leur enseigne et que je leur transmets, parce que quand ils font nos deux sessions ou trois sessions avec moi, ils se rendent compte de la rapidité du processus et de leur évolution. Donc ils me disent, mais c'est quoi ta formation? Et en fin de compte, moi j'ai des formations vraiment très physiques. J'ai eu le grand bonheur de travailler avec... de suivre les enseignements du professeur Tomatis, qui est otorino, qui était otorino-laryngologiste, et qui a formé, entre autres, qui a eu en session Depardieu en parle comme de son dieu, hein, d'Alfred Tomatis. Il a eu Sting en session, il a eu la Calas en session, et j'ai eu la chance absolument miraculeuse, quand j'avais 23, 24 ans, de suivre des enseignements directement avec lui. C'était assez exceptionnel. Donc dès le début, moi j'ai eu une approche très très physique, parce que lui il passait par l'équilibre de l'oreille interne pour rééquilibrer l'émotionnel, la voix, la relation au corps et aux émotions. Donc c'était vraiment, dès le début j'ai compris ça, et dès le début ça m'a été enseigné. Et c'est vraiment quelque chose que je recommande aux psy que j'ai en session, de faire de la sophro, de la kinésiologie, de faire peu importe quelle sera la technique et l'approche qui va faire que cette compréhension intellectuelle, les psys ont vraiment souvent une bonne analyse, ils font un bon diagnostic. Et après, si la personne ne change pas rapidement, ça veut dire que l'information n'a pas été intégrée. Du coup, l'importance du corps pour vous. Voilà, c'est pour ça qu'on va travailler là-dessus aujourd'hui. Et de nouveau, je me répète parce que c'est vraiment important, quand vous intégrez, quand vous comprenez quelque chose,
Si vous avez une prise de conscience en lisant un livre, en faisant un stage, en ayant une session de thérapie ou de coaching, l'important, c'est après de se poser et de l'intégrer et que ça passe dans le corps, dans le champ intellectuel, émotionnel, physique. Et quand c'est à tous les étages, vous allez avoir des changements. C'est pour ça que moi, j'obtiens des changements tellement rapides parce que je demande aux gens que j'ai en session systématiquement de danser, de bouger, de sauter, de surfer avec les compréhensions qu'ils ont eues en session. C'est de marcher. Et ça m'est arrivé. Oui, l'hypnose. Je vois l'hypnose. L'hypnose va fonctionner très bien parce que justement, généralement, il y a une intégration de la tête aux pieds dans l'hypnose. Et parfois, ça passe même pas par l'intellect, ce qui est bien la preuve. Excellente remarque. Ce qui est bien la preuve qu'on n'a pas besoin forcément de comprendre quelque chose pour établir un changement dans sa vie. Voilà. Donc, l'hypnose, ça peut être une très, très bonne technique qui va même zapper le mental, qui va parfois, lui, retenir encore et créer des restrictions. C'est parti, on se met au boulot. Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui sont arrivés après, prenez une toute petite minute pour aller dans le frigo chercher des fruits. Nous, c'est des grenades, c'est des oranges. Mais ça peut être même un grain de sel de l'Himalaya, quelque chose, un produit qui va être extrêmement sain, qui va être au niveau du goût agréable. On va prendre un tout petit peu. Et pour créer cette connexion-là qu'on va mettre en place, comme ça, ça va vraiment faire un lien très, très concret qui va passer par vos papilles gustatives. Donc, prenez une toute petite minute pour aller chercher un produit dans votre frigo, un aliment qui soit sain, qui soit pas trafiqué, pas d'agroalimentaire, s'il vous plaît, pas d'exhausteur de goût. Et vous allez voir qu'à la fin de cette méditation, vous allez juste prendre ce goût de ce morceau de raisin ou de fruit et ressentir ce que ça va faire en vous. Donc, prenez un verre d'eau, hydratez-vous et c'est parti. Vous installez confortablement, soit en tailleur, soit les pieds au sol. Fermez les yeux. Fruits secs, ok, oui. Et vous allez inspirer par le nez, expirer par la bouche. Et vous détendre. Et c'est un moment pour vous. C'est un moment de reconnexion à vous-même. C'est un moment de détente. C'est un moment de prise de conscience. Et dans chaque expire, vous allez relâcher un petit peu plus le dos, la colonne vertébrale, les épaules, jusqu'au coccyx. Et inspirez, expirez. C'est un moment pour vous. Relâchez les bras. Installez-vous dans la stabilité de vos hanches, dans vos jambes, et bien planté dans le sol, relié en bas, relié en haut. Inspirez, expirez. Et là, tranquillement, tout en douceur, vous allez écouter la relation, vous allez observer quelle relation vous avez avec votre corps, dans ce qu'il y a de restrictif, de jugement. Qu'est-ce que vous posez sur votre corps comme pensée, comme émotion? Et de nouveau, vous ne plongez pas dans l'émotion qui se présente, vous ne vous mettez pas non plus en retrait, vous trouvez la distance juste, idéale. Inspirez, expirez, bouche ouverte maintenant pour mettre de l'air. Et de manière extrêmement honnête, extrêmement simple, quand vous posez votre attention sur votre corps,
Qu'est-ce qui vient? Est-ce que vous avez envie de le changer? Est-ce que vous voudriez qu'il soit autrement? Est-ce que vous le dérange? Est-ce que vous le rejetez? Observez, prenez conscience. Tranquillement. Qu'est-ce que vous avez entendu dire, enfant, sur votre corps ou adolescent? Quelles sont les croyances que vous avez, auxquelles vous avez adhéré? Est-ce que vous iriez jusqu'à avoir envie de ne pas avoir de corps? Est-ce que vous voulez le transformer à tout prix? Est-ce que vous êtes influencé par des images justement de réseaux sociaux, de publicités? Une perfection du corps. Est-ce que le rejet, si vous le ressentez, il va jusqu'à la honte, à la peur? Est-ce que vous avez peur d'être malade? En mauvaise santé. Et tranquillement écoutez ce qui se passe. Avec bienveillance, avec tranquillité, vraiment avec douceur. Prenez conscience. Qu'est-ce que vous avez entendu dire depuis toujours sur ce que comment doit être un corps? Et auquel vous continuez vous-même d'adhérer. Et émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Intellectuellement, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Soyez curieux. Inspirez, expirez, et dans chaque expire, vous relâchez toutes les tensions, les peurs, les appréhensions, les limitations. Vous relâchez, vous laissez partir, vous laissez circuler en vous. Vous allez mettre de l'air, de la respiration dans ces prises de conscience. Faites-le avec bienveillance, avec générosité. Vous méritez vraiment le meilleur. Donc laissez les prises de conscience remonter pour pouvoir vraiment reprendre la maîtrise de vos émotions, de vos pensées, de vos sensations. Et là maintenant, quand vous écoutez vous-même dans le corps, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des endroits où le corps est crispé, en défense, en résistance? Vous allez plonger encore un petit peu plus, un peu plus profondément dans cette conscience-là de votre corps. Vous existez au niveau intellectuel, émotionnel, énergétique.
et physique. Et votre corps, c'est vous. Et sentez s'il y a des endroits où c'est dissocié. L'émotionnel est d'un côté, l'intellectuel est de l'autre, le corps encore un autre endroit. Là, c'est vraiment une magnifique opportunité d'aller ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Votre corps, c'est vous. Comment est-ce que vous vous traitez? Et je ne dis pas comment vous traitez votre corps. Comment est-ce que vous vous traitez? En fin de compte, quand vous jugez votre corps, c'est vous que vous jugez. Ça vaut le coup d'en prendre conscience. Inspirez, expirez, bouche ouverte et tout en douceur, laissez circuler toutes ces émotions, ces sensations en vous. C'est une prise de conscience. Ou une multitude de prises de conscience. Encore, encore, encore. Inspirez, expirez, bouche ouverte. Jusqu'en dans le bas du ventre. Et c'est peut-être le moment de laisser à votre corps, donc à vous-même, un moment d'espace, de pause, d'écoute, de bienveillance. Et tranquillement, vous allez sentir que votre corps, c'est vous. Vous êtes votre corps. Donc ce n'est pas vous avez un corps, vous êtes votre corps. C'est une partie intégrante de votre personnalité. De votre humanité. Et maintenant, tranquillement, tout en douceur, vous allez sentir que vous réunissez votre corps, vos émotions, vos pensées. Et sentez que vous faites un. Toute cette merveilleuse présence émotionnelle, intellectuelle, psychologique, physique, c'est vous. Et c'est un. Et c'est magique que ça soit un. Et ce corps, il est vraiment, il symbolise votre vie, votre incarnation, votre présence ici. Et si vous êtes honnête, la plupart du temps, il est là, il va bien, il fait un travail extraordinaire, vous faites un travail extraordinaire avec votre corps. De mouvement, de digestion, d'émotion, de vie, de projet. Ce corps, il est là, il participe à chaque seconde de votre vie. Et sentez que cette prise de conscience, elle est en train de s'intégrer en vous d'une manière phénoménale, merveilleuse. Je suis mon corps. Je vis, je respire. Je suis ce corps présent, intégré, vivant. Sentez votre respiration. Découvrez une nouvelle relation au corps. Si vous avez envie d'être en bonne santé, si vous avez envie de perdre quelques kilos qui vous encombrent, si vous avez envie d'équilibrer votre sommeil, faites un avec votre corps. Et vous allez être complètement au courant de ce qui se passe. Le corps, il vous donne les informations. Lorsque vous n'êtes pas bien, votre corps n'est pas bien.
C'est la même chose. Et là, vous pouvez vraiment prendre la décision de vous traiter bien vous-même dans votre corps. Comme vous faites pour la plupart d'entre vous un travail pour être équilibré dans vos émotions et pour comprendre qui vous êtes, ce que vous faites là, pourquoi, comment vous pouvez être mieux. Sentez que cette connexion-là, cette compréhension, cette écoute, elle peut passer là par le corps. Elle peut s'exprimer dans le corps aussi. Tranquillement. Inspirez, expirez, sentez que là, ça commence à s'intégrer en vous. Encore. En profondeur. Et vraiment, ça se connecte. Il y a une reliance qui commence à se faire, il y a une compréhension, il y a une connexion, il y a une communion, il y a une écoute. Et sentez que ce corps, c'est vous. Et encore une fois, vous pouvez le répéter tranquillement, je suis mon corps. Inspirez, expirez avec ça. Et commencez à envisager tranquillement que vous fassiez les premiers pas pour vous traiter bien dans votre corps, pour vous nourrir bien dans votre corps, pour mettre du mouvement dans votre corps. Vous avez besoin de bouger. Vous avez besoin, même en période de confinement, vous avez besoin de faire de l'exercice. Vous avez besoin que ce corps, il soit là à se mouvoir. Et ça peut être du pilates, ça peut être des étirements, ça peut être peu importe. Ça peut être de l'aérobic, ça peut être du trampoline. Et sentez que vous, quand je dis que votre corps a besoin de bouger, vous avez besoin de bouger. Et qu'est-ce qui se passe si tout à coup vous commencez à choisir de traiter ce corps comme une partie de vous-même intégrante ? Vraiment, qui a le droit d'être choyé, d'être aimé, d'être reconnu, d'être soutenu. Inspirez, expirez avec ça. Juste pour le plaisir d'être là, présent, de respirer. Inspirez, expirez avec ça encore. C'est un cadeau que vous faites. C'est du respect, c'est d'écoute, c'est de l'amour que vous vous donnez. Encore, encore, encore. Sentez que là, ça commence à se rejoindre. Et plus ça va, et plus ça fait un. Et que c'est extrêmement, extrêmement agréable, que ça a du sens. Vraiment. Cette écoute-là, ce respect, et découvrez ce que ça vous fait émotionnellement. Je suis mon corps. Je vis, je respire. Je fais un. Pour le plaisir. Dans l'écoute, en douceur. Et vous allez voir que le rééquilibrage émotionnel, le rééquilibrage alimentaire, ça deviendra une conséquence de ce travail-là, de ce que vous êtes en train de faire. Ça ne sera pas un objectif. Plus vous êtes en connexion avec vous-même, plus votre alimentation sera équilibrée. Plus vous aurez envie de bouger, faire de l'exercice naturellement.
plutôt que de se dire faut que je fasse du sport pour être musclé. Sentez la différence là. Vous êtes à l'écoute du corps et sentez ce besoin que vous avez de vous alimenter bien, de boire une eau qui soit bonne pour vous, de faire des exercices qui vous fassent du bien, et pas du bien à votre corps, du bien à vous, dans le corps. Sentez la différence. Dans le plaisir, dans le bien-être, dans l'écoute, dans le respect, dans la générosité. Vous êtes parfaitement capable de vous traiter comme ça. Sentez-le, vous êtes en train de le faire. Et là, tranquillement, vous allez prendre l'aliment, le fruit qui est à côté de vous, et vous allez le mettre dans votre bouche et déjà sentir la texture avant même de le manger. Et cet aliment, quand vous le mangez en conscience, vous allez sentir ce que ça fait dans les papilles gustatives, dans la gorge, dans le nez. Et sentez comment vous êtes l'aliment que vous êtes en train de manger. Il va faire partie intégrante de vous, cet aliment-là. Il va se transformer en vitamines, en fonction de ce que vous mangez, en oligo-éléments, en plein de choses. Et acceptez de manger cet aliment-là en conscience, dans une écoute très très simple. Sentez comment ça circule en vous. Et là, vous êtes dans la présence à vous-même par le corps. Et en restant dans cette présence-là, dans ce calme-là, vous allez juste écrire le premier mot qui vous vient. Tranquillement, restez vraiment dans la même conscience, dans la même tranquillité, dans la même présence à vous. Et vous ouvrez les yeux et le premier mot qui vous vient, vous l'écrivez et vous le partagez avec moi. Et ça peut être une sensation, ça peut être une couleur. Bonheur. Respect. Respect, bravo, douceur. Équilibre. Waouh. Douceur, équilibre, bonheur, voilà. Vous vous rendez compte, soulagement? Est-ce que vous vous rendez compte que vous pouvez choisir de vous traiter comme ça dans votre corps? Est-ce que c'est pas merveilleux? Est-ce que c'est pas extraordinaire? Ça vous a pris 20 minutes. Et je vous garantis que si vous refaites ça encore et encore et encore, vous allez changer la relation au corps. Ça va vous apporter plus de santé, plus de bonheur, un meilleur sommeil, une relation à l'alimentation totalement différente. Je vous le garantis. Ça vaut vraiment le coup, hein, de pratiquer encore et encore et encore. Est-ce que ça vous intéresse qu'on poursuive un petit peu cette exploration-là mardi prochain et qu'on fasse un live sur corps et alimentation? Toutou ! Avec plaisir, je reçois vos remerciements avec un grand, grand, grand plaisir. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas encore. Encore. Gratitude. On se retrouve mardi prochain, même heure. Oui.
prévoyez de nouveau un fruit, un aliment vraiment qui vous touche. Et là, de nouveau, ce que vous avez vécu, faites-le encore et encore et encore. Et je vous assure que c'est la clé, ça a une répercussion sur votre, sur vos projets professionnels et personnels hein, qui sont vraiment, vraiment, vraiment importants. Si vous avez des questions, posez-les. Il y a encore une petite dizaine de minutes. N'hésitez pas. Je pourrais y répondre autrement la semaine prochaine. La semaine prochaine, on pourra vraiment être sur le sur comment avoir une relation au corps et à l'alimentation qui va vous amener vers le fait de perdre du poids, d'être en meilleure santé. Et je le répète encore, votre corps, vous-même, donc, avez besoin d'exercice, surtout en période de confinement. Si vous voulez développer vos projets, ça demande de bouger. L'inertie physique amène à une inertie émotionnelle et intellectuelle. Donc, alors Cathy met qu'elle a baillé. Le fait de bailler, c'est quand on intègre. Il y a plusieurs, le corps peut avoir plusieurs réactions lorsqu'on intègre des changements. Il peut transpirer, il peut bailler, il peut s'étirer. On peut avoir vraiment, on peut s'étirer, avoir des bâillements. On peut avoir des réactions physiques. Voilà, quand on intègre. Donc, refaites-le encore et encore et encore et encore et encore et encore. Parce que c'est une clé vers plus de bien-être, plus d'efficacité aussi. À partir du moment où il y a vraiment une connexion entre ce que vous mangez et votre cerveau. Vous n'avez pas du tout la même énergie quand vous avez mangé un déjeuner léger et dynamisant avec une alimentation. Oui, bougez pour avancer. Avec une alimentation qui soit saine et qui vous fait du bien. Et vous n'avez pas du tout la même énergie, vous n'avez pas les mêmes pensées. Votre physiologie impacte votre psychologie. Donc, si vous nourrissez bien, que vous buvez de l'eau en quantité suffisante et que vous avez une activité physique, vous avez déjà une grande partie de votre vitalité qui peut être au service de vos projets. Et c'est juste vital. C'est vraiment extrêmement, extrêmement, extrêmement important. S'il y a encore une ou deux questions avant la fin du live... Voilà. Donc, je vous le répète, je vais faire venir. Donc, mardi prochain, on se retrouve sur corps et alimentation. Et après, je vais faire intervenir vraiment des sportifs de haut niveau qui vont vous permettre d'être dans un corps non pas performant, mais être vraiment un corps intégré et existant et réel. Meilleur moment pour la méditation, matin, midi et soir. Cette méditation, si vous la faites le soir, vous allez l'engrammer pendant la nuit, vous risquez de vous endormir avec. Si vous allez la faites le matin, avant même de sortir du lit, enfin quand vous venez tout juste de sortir du lit, votre cerveau va être encore en ondes alpha, qui sont des ondes qui sont au moment du sommeil. Et du coup, ça va vous permettre de l'intégrer dans un niveau inconscient. Voilà, dans un niveau, c'est les ondes alpha, c'est les ondes que l'on génère quand on est dans des états de créativité ou avant de s'endormir ou en se levant, quand on vient tout juste de se lever. Donc, c'est des ondes qui permettent d'intégrer vraiment, quand votre cerveau est en ondes alpha, il vous permet d'intégrer en profondeur les prises de conscience que vous avez faites. Et encore une fois, je le répète, parce qu'on vit dans un monde où on est vraiment, surtout si vous êtes français, on a cette culture de l'intellect qui est prédominant et qui méprise même un petit peu hein, le corps. Donc, ça demande un gros, gros travail de cesser de penser que le corps est moins intelligent que la tête. Votre corps, il a une intelligence, il a une conscience, il a une présence, évidemment, et il a des automatismes. Et quand vous voulez faire évoluer vos projets, ça demande d'aller changer les automatismes qui sont dans le corps. Et l'exemple flagrant de l'automatisme, où on se rend bien compte que ça passe pas par l'intellect, lorsque vous sortez d'une soirée tard le soir et que vous allez chercher de l'argent au distributeur en ayant bu 2 verres de vin, c'est pas votre cerveau qui tape le code, c'est votre corps, de la carte bleue. D'accord ? Donc du coup, ça explique vraiment clairement comment le cerveau, le corps a une mémoire. Et si vous voulez changer votre vie, ça demande d'aller changer tout ce qui est intégré dans la mémoire corporelle qui a ses habitudes et ça impacte vos projets.
La procrastination, ça va être le corps qui va dire je veux pas y aller. Ça peut être émotionnel aussi, hein, mais très souvent, on a vraiment la flemme de faire quelque chose et on a du mal à se mettre en mouvement parce que le corps a engrammé toutes des habitudes depuis de très nombreuses années. Alors, message de Cathy, merci pour le partage de vos connaissances. Moi, c'est avec grand plaisir. D'abord, j'aime mon métier, pour commencer. Ensuite, j'ai l'occasion de le pratiquer, j'ai la chance de le pratiquer à un niveau qui est très, très agréable, avec des personnes variées, dans des pays différents. Bon, là, forcément, depuis un an, je voyage un petit peu moins. J'ai eu l'envie de partager, en effet, de faire des lives et puis de commencer à partager des vidéos l'année dernière, au moment du confinement et suite au podcast que j'ai fait avec Anne Guéquer de Métamorphose, où sur YouTube, il y a un abonné qui m'a remercié en disant le coaching, c'est pas toujours accessible à tout le monde, financièrement parlant. Donc, elle m'a remercié de mettre à disposition. J'ai 25 ans d'expérience dans la formation professionnelle. Et je me suis dit qu'en effet, c'était un moyen de partager. Donc, je le fais avec grand, 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 grand plaisir. Voilà. Il y a eu de la peur au niveau du corps. Je lis, je réponds un petit peu à vos messages. Oui. Mais on a tendance à s'en méfier du corps. Parce que de toute façon, comme on n'est pas en contrôle du corps, et quand on est malade, on s'en rend bien, bien compte, hein, on se retrouve du coup à chercher absolument à le contrôler, ce corps. Et quand on ne le contrôle pas, on en a peur. Et quand on commence à se mettre en contact avec le corps, tout à coup, c'est comme si on découvrait quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Donc, c'est tout un parcours. Hein. Voilà. Surtout, il ne faut pas arrêter. Ouais. Bah écoutez, déjà, on va se retrouver mardi prochain, comme ça on enclenchera sur une étape supplémentaire. Et puis, vous pouvez commencer à m'envoyer des petites questions et puis à me dire ce que vous pensez, vous, de votre relation au corps, à l'alimentation, au poids. Vraiment, ça va particulièrement être sur cette histoire d'équilibre alimentaire et de voir comment vous... Envoyez-moi vos questions là-dessus. Sur comment vous interagissez dans votre relation au corps et au poids, à l'alimentation. Et c'est un grand, grand sujet parce que l'alimentation, ça vient vraiment de... C'est des premières choses qu'on fait quand on vient au monde, on est nourri. Voilà, on est allaité et on est nourri. Donc, que ce soit biberon ou au sein. Et donc, la relation à la nourriture, elle est liée à la sécurité. Elle est liée aux soins, elle est liée à l'amour. Elle est liée. Donc, c'est pour ça que cette relation, elle peut être extrêmement compliquée pour répondre à la première question au tout début, qui était de Mistec. C'est qu'en effet, le régime, ça va nous amener vraiment à la peur de manquer, à la maîtrise, au contrôle. Ça nous amène à des choses qui sont émotionnellement extrêmement, extrêmement, extrêmement fortes. C'est pour ça que c'est compliqué, en fin de compte, de faire un changement alimentaire ou de faire un régime. Et après, le régime, choisissez le bon si vraiment vous voulez en faire. On sait à quel point il y a des régimes qui sont complètement désastreux. Et surtout, ne cherchez pas à maigrir hyper rapidement. C'est jamais une bonne chose. Voilà, on arrive à la fin de ce live. J'espère que vous avez passé un bon moment. Profitez-en pour recommencer encore et encore et encore. Et vous connaissez le fonctionnement des réseaux sociaux. Pensez surtout à partager, à sauvegarder, à transférer, à liker, à commenter. Et puis, envoyez-moi vos questions pour la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine et on y retourne encore une fois, encore un peu plus en profondeur. Et je vous souhaite une excellente journée. Fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous allez regarder ce live ou si vous l'avez vu en direct, une fin de soirée pour ce soir et une bonne nuit. Prenez bien, bien, bien soin de vous. À tout bientôt.